Le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité une bonne fête de travail à tous ses concitoyens, ce dimanche 1er mai 2022. Je félicite les travailleuses et les travailleurs du monde paysan, de la fonction publique et du secteur privé dont les efforts et l'abnégation au travail ont permis à notre pays de réaliser des performances économiques et sociales remarquables au cours des 10 dernières années. Bonne fête du travail à toutes et à tous, a écrit le président Ouattara sur sa page officielle Twitter. Parlant de performances économiques et sociales, on en déduit quels sont les fruits tardifs de la paix et la stabilité que connaît la Côte d'Ivoire. L'on se souvient que devant le Parlement réuni en congrès, le mardi 19 avril 2022, à Yamoussoukro, paisé de la stabilité, le chef de l'État s'était réjoui de la consolidation de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire qui a permis des avancées dans plusieurs domaines, notamment économiques, diplomatiques, sécuritaires, sanitaires et en matière d'infrastructures, de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et de la réduction de la pauvreté. Le président Ouattara avait fait observer que les défis sont encore nombreux pour améliorer durablement les conditions de vie de chaque Ivoirien. Par ailleurs, le président Ouattara avait fait observer que les défis sont encore nombreux pour améliorer durablement les conditions de vie de chaque Ivoirien. Aussi, a-t-il rappelé les trois priorités du gouvernement pour l'année 2022. Lire aussi Fête de la Liberté, Afine Guessant se moque de Laurent Gbagbo, ce qu'il dit de sa politique. Il s'agit notamment de l'accélération de l'industrialisation avec la transformation locale des matières premières ainsi que la mise en œuvre d'un deuxième programme social du gouvernement, l'emploi des jeunes à travers la promotion des champions nationaux, du contenu local, de l'école de la seconde chance, et du financement des PME, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.